الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد أيها المؤمنون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن والتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد. Le thème d'aujourd'hui, c'est la continuité de l'adoration d'Allah, la continuité des bonnes œuvres. Il ne faut pas penser que dans le mois de Ramadan, c'est vrai, le mois de Ramadan c'est un mois béni. On a multiplié les bonnes œuvres, alhamdoulilah, on a jeûné, on a donné des sadaqat, on a donné la zakat, on a fait beaucoup de bonnes œuvres pendant le mois de Ramadan. Mais il ne faut pas que la fin de Ramadan sera la fin de nos bonnes œuvres. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de gens qui sont très actifs pendant le mois de Ramadan. Une fois Ramadan passé, c'est terminé. Une fois Ramadan passé, c'est terminé. Et ça, c'est pas bon. Il faut la continuité de l'ibad. Vous priez à Ramadan, il faut continuer à prier. Vous gênez, celui qui peut, il gêne. Vous donnez, fi sabilillah, il faut continuer à faire de bonnes œuvres. Il ne faut pas couper les bonnes œuvres. Déjà, pour première chose, la continuité des bonnes œuvres, des bonnes actions, c'est une caractéristique des croyants. Parmi les caractéristiques des croyants, qu'il continue, il ne coupe pas les bonnes œuvres. Quand il commence quelque chose, il continue jusqu'au bout. Ça, c'est parmi les caractéristiques, parmi les caractères des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de traduction, qui sont, quand il a qualifié les croyants, il a dit, qui sont assidus à leur salat. Assidus à leur salat, ça veut dire, ils prient d'une manière continue, ils ne coupent pas. Donc les croyants, ici l'exemple c'est salat, il y a la zakat, il y a sadaq, il y a beaucoup de bonnes œuvres, mais Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié ces croyants ici, il a dit ils sont assidus. Quand ils font des bonnes œuvres, ils ne coupent pas. Au lieu de donner, il s'est dit, il a 200 euros, une fois, deux fois, trois fois, après vous dites, ah je suis fatigué, c'est mieux de donner 20 euros ou 10 euros chaque mois. Et ça devient continuer. Ça devient continuel parce que Allah subhanahu wa ta'ala aime les œuvres qui continuent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié les croyants en disant qu'ils sont assidus à leur salat. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré dans le Coran, Isa alayhi salam, lorsqu'il était dans le berceau, il a parlé, il a dit quelque chose qui est très important qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans le Coran. Qu'est-ce que Isa a dit alayhi salam? Isa a dit, il parle d'Allah. Et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat. Tant que je vivrai, la prière et la zakat. Ça, c'est le conseil, la recommandation d'Allah à Isa. Et Isa, ici, c'est un exemple. Cette recommandation, c'est pour tous les prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala les a recommandés. C'est quoi? Il a dit, il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat. Ça, c'est la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est une chose qui est très importante
Il ne faut pas baisser les bras après Ramadan. Les bonnes œuvres, il faut continuer. Les bonnes œuvres, il ne faut pas dire que je suis fatigué. Si tu peux le faire, tu le feras. Si tu as quelque chose qui vous bloque, vous demandez à Allah de vous aider. Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous aider. Mais jamais trop. Il ne faut jamais penser que quelque chose que vous faites, si c'est bien, là, c'est trop. Si tu pries, il ne faut pas dire que j'ai beaucoup prié. Ce n'est jamais suffisant. Si tu donnes, fils de là, tu as, il faut donner. Si tu n'as pas, et tu veux, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera la récompense de celui qui a donné. Parce que c'est tes habitudes. Mais il ne faut jamais dire c'est trop. Pour Allah, rien n'est trop. Rien n'est trop pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a dit, il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. La certitude ici, c'est l'amour. Ça veut dire adore ton Seigneur jusqu'à ce que l'amour vienne. Ça veut dire quoi? C'est la continuité. Il y a certains égarés, ils manipulent le verset et ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de l'action, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Ils ont dit la certitude, c'est un niveau de science et des fois, quand on arrive, on n'est plus concerné par les obligations. Donc, tu dis à la personne, pourquoi tu ne pries pas? Il va te dire, je suis arrivé au niveau de certitude. Allah subhanahu wa ta'ala dit, adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. On va lui dire, ça c'est un égarement. Et ça c'est une mécréance. Personne ne peut pas dire qu'il est exonéré de ne pas prier. Exonéré de la zakat ou des piliers de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié jusqu'au dernier jour. Avant sa mort, il a dit aux gens, as-salat, as-salat. La prière, jusqu'à la fin, il a prié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit non, je suis arrivé à un moment. Qui est meilleur que lui? Donc il faut la continuité des œuvres. Il ne faut pas baisser les bras. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô gens, prenez des œuvres ce que vous supportez. Prenez des œuvres ce que vous supportez. Il ne faut pas prendre quelque chose que toi tu ne supportes pas, tu fais un jour, deux jours, après tu laisses tomber. Il faut chercher une dose pour la continuité. Aux gens, prenez des œuvres ce que vous supportez, car Allah ne s'ennuie pas jusqu'à ce que vous vous ennuyez. L'acte le plus aimé auprès d'Allah est le plus constant. L'acte le plus aimé auprès d'Allah, c'est l'acte constant qui continue. C'est l'acte le plus aimé auprès d'Allah est le plus constant. C'est là, même s'il est petit. Même s'il est petit. Petit qui continue, Allah l'aime plus que beaucoup qui ne continuent pas. Donc c'est pour cela qu'il faut choisir ce que vous supportez pour que ça continue. ندعو الله سبحانه وتعالى التوفيق ندعو الله سبحانه وتعالى العين ندعو الله سبحانه وتعالى التوفيق امين واقول قولي هذا استغفر الله quels sont les fruits de la continuité des œuvres? Quels sont les fruits de la continuité des œuvres? Premier fruit, vous savez la définition de la foi. La foi est une parole par la bouche, une croyance dans le cœur et une action par le membre. Donc pour Iman, parole dans la bouche, croyance dans le cœur et des actions qui montrent, des actions par les membres. Donc, chez Ahl Sunnah wal Jama'a, la foi augmente
par les bonnes œuvres. Je suis là, je vais augmenter ma foi. Que faire? Ah, il faut que je multiplie les bonnes œuvres. Quand je fasse des bonnes œuvres, la foi monte. La foi monte avec les bonnes œuvres. Tu veux monter ta foi? Il faut faire des bonnes œuvres. Multiplier les bonnes œuvres, la foi monte. Et la foi baisse par le péché. Quand tu fais du péché, la foi baisse. Les fornicateurs, les fournis étant croyants. Parce qu'il y a la baisse de croyance. Quand quelqu'un qui fournique, c'est... Quand quelqu'un qui vole, c'est la baisse de foi. Donc les péchés baissent la foi et les bonnes actions augmentent la foi. De fait, de choisir un rythme, même si c'est paix, mais c'est continuel, vous allez garder tes conditions de foi. Ça veut dire toujours la foi élevée. Toujours qu'il y a un rythme que la foi monte. Vous savez, quand vous venez à la mosquée, vous faites que du bien, vous allez voir dans votre vie, c'est que des bonnes idées positives qui viennent. Une fois coupé de la mosquée pendant longtemps, on va voir que... Vous savez vos cœurs. Quand vous fréquentez les mosquées, vous faites la prière, vous faites deux roses, vous faites ça, 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 c'est pas la même chose quand on ferme la mosquée. C'est pas la même chose. Donc il faut la continuité. Pourquoi? Parce que ça augmente la foi. Ça, c'est première fruit. Deuxièmement, les bonnes œuvres, c'est comme une chaîne. Si tu as fait des bonnes œuvres, Allah a accepté, tu vas faire une deuxième. La première te pousse pour faire deuxième. La deuxième te pousse pour faire troisième jusqu'à l'Jannah. C'est une chaîne. C'est pour cela quand quelqu'un qui va un péché, je vais faire taouban. On va lui dire, fais-la tout de suite. Pourquoi? Pour couper la chaîne. Parce qu'un péché appelle un autre péché qui est plus grave, appelle un autre. Et jusqu'à ce qu'il amène à l'enfer qu'Allah nous préserve. Donc il faut faire très attention. Quand tu fais des péchés, il faut taouba. Pourquoi? Pour couper que ces péchés nous traînent, nous mènent à une autre. Et quand on fasse un bienfait, ça va nous mener à un autre bienfait. Donc ça c'est le deuxième. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, attachez-vous à la vérité. Écoutez, attachez-vous à la vérité, car la vérité mène à la vertu. Mène à la vertu. Et la vertu mène au paradis. C'est une chaîne qui va te traîner jusqu'au paradis. Une chaîne. Une personne continue à dire la vérité jusqu'à ce qu'il sera inscrit chez Allah et appelé comme véridique. Appelé véridique. Ça veut dire de fait de continuer de dire la vérité, jusqu'à ce que Allah, chez Allah là-bas, tu es considéré comme véridique, siddiq. Qui va avoir un niveau plus que le niveau des martyrs, shuhada. Un niveau qui est plus élevé que le niveau des martyrs, si vous dites la vérité. Une fois que vous êtes inscrit chez Allah subhanahu wa ta'ala comme véridique, il a dit encore, évitez les mensonges. Pourquoi? Parce que c'est quand tu mens, tu n'arrêtes pas là. Le péché va appeler un autre péché. Il t'émène pour un autre péché. Il faut couper tout de suite. Évitez les mensonges, car les mensonges mène au vice. Quelqu'un qui ment, ne fait pas taouba, les mensonges vont l'amener à tous les péchés. Tous les péchés, il peut tout faire. Boire de l'alcool, faire zina, faire voler, faire tout. Il ne faut pas penser que oui, il est menteur seulement. Toujours il ment seulement, ça c'est son seul défaut. Ce n'est pas son seul défaut. Non. Parce que si tu mens toujours, ton seul défaut ne sera pas les mensonges. Ça va te mener vers d'autres péchés. Peut-être que tu n'as pas vie, mais il ne faut pas dire seulement. Tu n'as pas vie, mais il ne faut pas dire seulement. Ce n'est pas seulement.
Parce que le Saint-Esprit a dit, évitez les mensonges, car les mensonges mènent au vice, et les vices mènent à l'enfer. Péché après péché après péché, après la personne va se retrouver à l'enfer, car là nous préserve. Une personne continue de mentir jusqu'à ce que il sera considéré chez Allah, appelé comme une menteuse ou une grande menteuse. Quand on ment jusqu'à ce qu'on t'inscrit chez Allah comme un gros menteur. Gros menteur, maintenant tu mens sans raison. Quelqu'un qui a eu peur, qui a menti à autre chose. Mais sans rien, il y a des gens comme ça qui mentent gratuitement. Parce que ce sont des gros menteurs. C'est ce que vous appelez les mythos. Sans rien, ils mentent. Pourquoi? Parce que c'est pas bon. C'est pour cela que quand il y a péché, il faut taouba. Et quand il y a des bonnes œuvres, il faut continuer. Même si c'est paix, mais il faut que ça continue. Si tu sais que tu te lèves la nuit, tu ne peux pas faire 11 raka'at. C'est beaucoup pour toi. Tu ne peux pas continuer. Tu ne laisses pas tout. Même si tu fais 4, si tu sais qu'avec les 4, ça peut marcher, il faut continuer. Mais il ne faut pas aller prendre beaucoup et après, demain, tu dis, non, je suis fatigué, je ne peux pas continuer. La deuxième, quand vous continuez à adorer Allah d'un rythme, avec un rythme continuel, vous ne serez pas parmi les insouciés, les gens qui ont oublié Allah. Vous ne serez pas parmi ces gens. Parce que toujours, vous faites des bonnes œuvres, donc vous pensez à Allah dans toutes vos œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les saintes actions, et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, en mi-voix, les matins et les soirs. Les matins et les soirs, et ne sois pas du nombre des insouciés. Ça veut dire celui qui invoque Allah matin et soir, il ne sera pas parmi le nombre des insouciés. Les gens qui oublient Allah subhanahu wa ta'ala. N'adou Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqana wa yu'ina. Al-mu'asalat al-a'mal sababun fi mahabbati Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui continue. Tuwasil. Amal al-salih, tajidu mahabbat Allah. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Ça veut dire continuer les bonnes œuvres, même si c'est paix, mais c'est continuer, ça apporte l'amour d'Allah. Allah aime celui qui continue. Comment ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un hadith sacré, il a dit, mon serviteur ne cesse à s'approcher de moi en faisant des prières surrogatoires. Pas prière, ça peut être prière, jeûne, tout surrogatoire. Il ne cesse à s'approcher de moi avec les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Jusqu'à ce que je l'aime. Quelqu'un qui peut faire la prière, toujours, il faut des nawafil, continuel, quelqu'un qui donne fisabilillah continuel, quelqu'un qui fait des bonnes œuvres d'une manière continuelle, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Donc ça apporte l'amour d'Allah si tu continues. C'est une cause quand on est en difficulté. On cherche qu'Allah facilite les choses pour nous. Il faut continuer l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah facilitera tout. Il faut voir Younis alayhi salam, c'est un prophète qui a été avalé par une baleine. Mais malgré tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé. Pourquoi? Parce que Younis, il fait beaucoup de tasbih. Il évoque Allah beaucoup avant. Et même lorsqu'il était avalé par une baleine, il a continué dans le ventre de la baleine à invoquer Allah. Qui est Dieu? Le ventre d'une baleine ou la prison? La prison, les gens se retrouvent, c'est seul, sur 10 mètres, sur 10, et tu trouveras qu'il ne prie pas. Pourquoi? Parce que je suis découragé. Younis, alayhi salam, dans une ventre d'une baleine, il continue à faire le tasbih. Il n'a pas coupé, il n'a pas découragé, laisser l'évocation d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, s'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il sera demeuré dans son ventre
jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Ça veut dire si c'est pas tasbih, il fait des tasbih même avant, et même lorsque il était avalé par la baleine, il continue à faire tasbih, il allait rester jusqu'à Yom al-Qiyam. Ça veut dire le ventre de cette baleine sera sa tombe. Donc il faut voir aujourd'hui, on est dans les difficultés. Tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala te facilite, il faut adorer Allah avec une continuité. Aïdan, min al-thamarat, thubut al-ajr inda al-ajz. Quand tu fais du acte continué et tu tombes malade, personne qui fait qiyam al-layl, il se lève la nuit pour prier continuellement et un jour il est tombé malade. Même une semaine, même un an. Ou il a voyagé, ou quelqu'un qui a habité à Géné continuellement, mais il est tombé malade un an, deux ans, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera l'ajr toujours. C'est continu. Les compteurs marchent. C'est comme on dirait que tu as fait. C'est pour cela que les mosquées étaient fermées. Les gens parlaient de Tarawih. Oui, je ne veux pas faire seul à la maison, je vais faire à la mosquée. Tu as fait à la maison, tu auras l'ajr, et tu auras l'ajr même de la mosquée, parce que tu es habitué de venir. Pas tout le monde, ceux qui ont habitué à venir, ils auront l'ajr. Ils auront l'ajr. Le Jum'a, les mosquées sont fermées. Tu n'as pas trouvé de place malgré toi-même. Tu as fait la prière à la maison. Tu aimes la mosquée, tu aimes le Jum'a, mais pas de moyens, ce n'est pas de ta faute. Dans ces cadres-là, même si tu fais la maison, Allah est Karim, il va te donner la récompense du Jum'a. Parce que tu es habitué et tu as continué. Il faut continuer, c'est pour cela, même en cas de problème. Le prophète, il a dit, si un serviteur voyage ou tombe malade, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la récompense de ce qu'il faisait lorsqu'il était en bonne santé ou bien lorsqu'il n'était pas en voyage. Donc, nous avons Allah subhanahu wa ta'ala. Amen. إنها سبب لمحو الذنوب يقول تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات يعني المداومة على العبادة أوسي الله سبحانه وتعالى efface le péché avec الله سبحانه وتعالى dit dans le sens de tradition et accomplit la salat aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Et après, husnul khatim, la bonne fin. La bonne fin. Ah, vous savez, les œuvres, c'est avec la fin. Même si vous adorez Allah toute votre vie, une minute avant la mort, si vous commettez un shirk, kufr, mécréance, la personne va aller au, à l'enfer. Et même si tu as fait tous les péchés du monde, une minute avant ta mort, tu as fait taouba. Quelqu'un qui n'était pas musulman, une minute, la ilaha illallah Muhammad Rasulallah, sincèrement, et après il est mort, il va aller au paradis. Il va aller au paradis. Sincèrement. Voilà. Donc, quand vous faites quelque chose qui est continuel, ça veut dire. C'est un signe pour les bons fins, la bonne fin. Ce n'est pas la mort vient quand. Quand la mort vient, il te trouve prêt. Parce que toujours, tu fais. Mais si tu laisses, tu as fait aujourd'hui, tu dis non, on reste 3 semaines. 3 semaines que tu as laissé. Une semaine après, si la mort arrive, tu vas dire, ah, je ne suis pas prêt. Ah, donc, c'est pour avoir la bonne fin. Et les bonnes œuvres continuelles, ils vont nous mener au paradis. Vous avez vu. Il faut s'attacher à la vérité car la vérité mène vers la vertu et la vertu mène vers le paradis. Donc à côté on perd ça, comment ça s'appelle, ça nous permettra d'avoir le paradis. Wa nad'u Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqana wa an yu'inana. فيه رجل طلب الدعاء لامرأة مريضة إلى demandé الدعاء pour une femme malade. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يعافيها ويجعل هذا المرض طهور. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وأن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا. يا أخوتي ندعو للشباب هؤلاء. On fait دعاء aux jeunes qui ont beaucoup travaillé pour que vous venez vous trouvez que la mosquée
Voilà, c'est prêt. Nadou Allah subhanahu wa ta'ala an yubarik fihim. Wa nadou Allah subhanahu wa ta'ala an yubarik fi buyutihim. Wa yubarik fi azwajihim. Wa yubarik fi abnaihim. Wa yubarik fi zurriyatihim. Wa yubarik fi harakatihim wa sakanatihim. Nadou Allah subhanahu wa ta'ala an yudkhilana wa iyyahum jami'an al-firdaus al-a'la ma'an nabiyyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin. Wa hassanu ilayka rafiqa wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa qum ila salatikum.